Bonjour Monsieur Guibet. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview. Normal. Nous allons parler de votre carrière professionnelle, mais aussi de votre vie. Monsieur Henri Guibet, vous êtes né en 1936 à Paris, d'une famille modeste. Ouais. Vous avez un fils qui est également comédien. Oui, il reprend le magasin. On a tous quelque chose de vous. Vous êtes un grand comédien. Vous avez fait quand même des bons rôles. Oui, ça fait longtemps que je le suis. Vous avez un grand cœur. Vous êtes grand enfant. Je crois que j'ai... Oui, ça y est, une chose avec que je n'ai jamais quitté, c'est l'enfance. Mon corps a quitté l'enfance, mais dans le fond de moi-même, je crois que je gardais l'enfance. Je reste toujours fidèle à l'enfance. Vous nous réchauffez le cœur avec des comédies à la française, comme on les aime. Nous allons vous découvrir en passant du Café de la Gare jusqu'à Rabbi Jacob. Ouais. Et nous allons parler aussi de vos doublages, de Jusqu'au Rex. Oui, bien sûr, oui. Et on a tous une question, pourquoi pas lui? Alors pourquoi pas vous? Vous avez été acteur de second rôle, ouais. Mais pourquoi jamais premier rôle? C'est une boutade, mais elle est pleine de vérité aussi. C'est que je pense qu'il vaut mieux être des fois le premier des seconds rôles que le dernier des premiers. Alors, on va parler de vos débuts, votre enfance. Oui, mon enfance. Donc, vous avez connu l'occupation allemande. Oui, très bien. Vous en gardez un souvenir J'ai le souvenir de monsieur, des soldats en uniforme qu'on croisait dans la rue. J'ai des souvenirs de fouilles qu'il y avait de temps en temps. Quand j'étais avec ma mère, des fois, il y avait des... C'était pas forcément des Allemands qui fouillaient, c'était aussi des Français. Ma mère n'était pas fouillée rarement, parce que comme elle était souvent avec moi, enfin, quand j'étais avec elle, elle n'a jamais été fouillée quand j'étais avec elle, ils fouillaient rarement les femmes avec un enfant. Pendant la guerre, c'était ce qui marquait le plus les Français, c'était l'alimentation. Surtout dans des villes comme Paris, il n'y avait rien à bouffer. Il y avait des tickets d'alimentation, c'était pas grand chose. Un homme devait avoir droit à 200 grammes de viande par semaine. Enfin, c'était vraiment insignifiant. Il y avait un petit peu plus, c'était un petit peu plus élevé pour les enfants au niveau du beurre ou du lait. Mais c'est pareil, tous les enfants de mon âge étaient maigres. Hein. C'est pour ça que ma mère m'envoyait des fois en vacances dans le Berry, justement, dans une ferme, parce que là je reprenais, je remangeais des légumes, je mangeais des tas de choses qu'il n'y avait pas. Paris, il n'y avait pas de légumes, il n'y avait pas de pommes de terre, par exemple. On mangeait des topinambours ou du rutabaga, ce qui est un truc que oui. Des fois j'en vois en vente maintenant sur les marchés, ils revendent des topinambours, je sais pourquoi les gens achètent ça. Enfin, maintenant, c'est devenu un truc de cuisine raffinée. Mais il n'y avait rien à bouffer. Maintenant, on achète une tablette de chocolat. Mais à l'époque, c'était une tablette de chocolat, ça n'existait pas. C'était un lingot d'or, une tablette de chocolat. Alors, il y avait ça. Mais moi, en tant qu'enfant, j'ai eu la chance de ne pas trop souffrir de la guerre. Parce que j'étais très entouré. Il y avait ma mère, d'une part, il y avait mon grand-père, ma grand-mère, ma grand-mère maternelle, ma grand-mère paternelle. Il y avait la sœur de mon père avec qui avait trois filles. Donc il y avait deux mondes et beaucoup de femmes du reste autour de moi. Et tout ça, j'étais le petit prince pour ces femmes-là. Et j'étais gâté, enfin gâté, si l'on peut dire gâté à cette époque. Enfin, disons que j'étais gâté d'affection surtout. Il y avait des alertes pendant la guerre et on partait aux abris. Et l'abri du quartier où j'étais, c'était le métro. On descendait le métro, il était suffisamment profond, c'était l'abri. Et là, sur le quai du métro, il y avait tous les gens du quartier qui étaient là. Chacun avait son coin, les gens, chaque alerte reprenait leur petit coin. Et je me souviens que tout dans le fond du quai, il y avait le coin des Juifs. Il y avait une étoile. Moi, je ne comprenais pas ce que c'était. Je me souviens simplement de ce petit garçon qui avait une étoile que personne n'approchait. Et moi-même, je me suis approché de lui, mais je n'y ai jamais parlé. Je le voyais avec sa petite étoile et j'ai souvent, ça c'est un souvenir d'adulte, quand on analyse adulte, on analyse ses souvenirs, mais j'avais toujours l'impression de voir dans ses yeux une question pourquoi. Mais
C'est une interprétation sans doute personnelle, mais c'est à peu près la sensation que le souvenir m'en a laissé. Vous avez eu votre père qui est parti en Angleterre. Alors mon père, lui, était, oui, mon père était engagé, il a été appelé, il était dans la marine, comme s'il avait déjà fait son service militaire dans la marine. Donc il a été embarqué sur un bateau qui s'appelait le Meknès, qui ramenait des réfugiés en Angleterre, et le bateau a été torpillé dans la nuit. Et mon père est donc resté 6 heures dans la Manche, d'un grand bain. Et c'était froid, l'eau de mer. Et donc, c'est seulement au petit matin que des vedettes anglaises les ont récupérées. Et donc, après, il est arrivé en Angleterre et il est resté en Angleterre. Il fait partie des forces françaises libres. Et votre mère a été résistante ? Ma mère a fait de la résistance, mais ça, je l'ai su très tard. Je l'ai su quand j'avais 18 ans. Un jour, elle m'en a parlé, comme ça. Et ma mère transportait des courriers, surtout. Elle faisait du transport de courriers. C'est pour ça qu'elle m'emmenait beaucoup au spectacle, parce qu'à l'entracte, elle rencontrait un contact qui était prévu. Et le fait d'échanger le programme, il y avait dans le programme le message à transmettre ailleurs. Parce qu'il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de portable à l'époque. Donc tout se faisait par des agents dits de liaison. Et qui allait voir une personne, qui allait en voir une autre, qui allait en voir une autre, parce que c'était très détaché, les réseaux de... Si quelqu'un était arrêté, il pouvait dire qu'il avait été une personne, mais il ne savait pas où. Dans votre livre, qui est paru en 2011, J'aurais pu faire pire, oui. Vous parlez que pendant cette guerre, avec votre mère, vous alliez voir des films et des spectacles. Oui, oui, beaucoup. Et pour vous, ça a été peut-être démarrage pour les comédiens plus tard. J'en avais pas conscience à l'époque, mais peut-être que ça m'a donné le goût du spectacle. Je sais que quand ma mère m'emmenait au théâtre, par exemple, j'étais fasciné par le rideau, on me demandait qu'est-ce qu'il y avait derrière quand il allait se lever. Au cinéma, j'étais fasciné, je comprenais pas comment ça fonctionnait. Et donc, j'étais très, très curieux. Oui, ça m'a peut-être travaillé. Enfin, j'ai eu envie de le faire après, beaucoup plus tard, mais encore enfant. Mais j'étais en émouvant de jeunesse, où on faisait des fêtes, des trucs comme ça, où il fallait jouer des petites comédies. Et là, j'étais toujours volontaire pour le faire. Donc, c'est surtout là que l'idée m'est venue de dire, tiens, si j'ai essayé d'en faire un métier. Mais c'est vrai qu'enfant, j'étais très attiré par ça, j'adorais quand ma mère m'emmenait au spectacle, j'adorais ça. Ça vous a permis justement d'oublier un petit peu l'occupation. Oui, c'est très curieux parce que il y avait l'occupation allemande. Je voyais bien ma mère qui écoutait Radio Londres. Je voyais bien qu'il y avait quelque chose, je savais. Ma mère m'avait dit que bon, fallait pas dire que mon père était en Angleterre. Ça, je savais que bon, les Allemands c'était l'ennemi, mais mon quartier c'était pas Oradour. Hein. Donc la guerre est finie. La guerre est finie, oui. Et à partir de l'âge de 10 ans, vous allez vivre une période un peu dure pour vous. Ça va être le divorce de vos parents. Oui, bon, et la pension. Oui, bien sûr que mes parents ont divorcé. Bon, quand mon père est arrivé, c'était plus le même homme que celui qui était parti. Changé. Et puis bon, ça ne s'entendait pas avec ma mère. Et puis surtout, un jour, la police est venue emmener mon père. Voilà. Il avait trouvé comme boulot, il s'était associé avec un imprimeur qui s'était spécialisé dans les billets de banque. Mais comme ces billets étaient plus beaux que les vrais, aperçu qu'il était faux. Alors, et mon père a été emmené en prison. Ma mère a préféré divorcer à ce moment-là. Alors, ce qui fait que mon père, je ne l'ai pas connu longtemps. Et je n'ai pas souffert de leur séparation. Quand j'ai refréquenté mon père un peu après, plus tard, quand j'avais 18 ans, par là, où je l'ai retrouvé. Et mon beau-père, parce que ma mère s'est remariée très vite, et mon beau-père était un homme formidable, qui, je pense, m'a beaucoup aidé sur le plan éducation, parce que c'était un homme extrêmement, d'abord cultivé, et qui savait, quand j'avais une idée ou un choix, il savait encourager. Il a toujours su m'encourager. Quand j'avais 14 ans, j'aimerais bien faire l'acteur, il m'a dit « oui, c'est une très bonne idée, il faut le faire ». Je n'ai jamais eu et c'était jamais un homme qui a eu des actes d'autorité avec moi, il était toujours très, très, très gentil. À 20 ans, vous avez été appelé sur les drapeaux ? Là, oui, ils m'ont envoyé faire une guerre ce coup-ci.
Voilà. Et ça, je me suis aperçu que c'était... Je dis toujours aux gens, la guerre, faut pas la faire. Parce que c'est vraiment moche. C'est très très moche. Et puis, je ne sais pas qui a dit, les guerres, ce sont des hommes qui se tuent et ne se connaissent pas pour... au bénéfice de gens qui se connaissent mais ne se tuent pas. Et je ne sais pas qui a dit ça, mais c'est très très juste. Mais cela dit, j'ai rencontré des gens formidables, aussi bien parmi des militaires de carrière, des officiers, des gens comme ça. J'ai rencontré des gens formidables et on était dans une merde. Voilà, pour bien dire, parce que la guerre c'est toujours une merde. On vit avec la peur. J'ai vécu 30 mois en Algérie. Et pendant 30 mois, j'ai eu peur. Votre première expérience sur scène, ça a été au Théâtre National Populaire. Oui. Est-ce que ça vous a laissé un bon souvenir? Oui, alors, parce qu'avant de partir au service militaire, avec des copains, des copines, on avait créé une troupe dramatique, une troupe d'amateurs. Mais on jouait déjà pas mal. On avait commencé notre premier spectacle, qui était un spectacle de comédie dell'arte. Et puis après, on avait monté des pièces, des choses comme ça. On est monté Singe, on montait des tas d'auteurs. Donc on a été déjà très actifs. Et donc après moi, donc quand je suis rentré à l'école du Lin, que je suis rentré au TNP, là, ça a été, pour moi, c'était le grand truc, parce que au TNP, j'y avais été comme spectateur pendant mon adolescence, ma jeunesse. Et là, je rentrais dans cette grande maison. C'était un grand théâtre, Chaliot. C'était à l'époque, la salle, ils l'ont trafiquée. Maintenant, ils l'ont transformée. Mais à l'époque, c'était une salle qui faisait 2700 personnes. Et c'était plein, tout le temps. C'était magique. On jouait des pièces formidables. Donc, c'était pour moi... c'était vraiment... J'ai passé 2 ans et demi, là. Ça a été très, très enrichissant pour moi. Et puis j'étais fabuleux, j'étais vraiment dans un grand, 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 grand truc. Quoi que ce soit que l'on joue, que ce soit du divertissement pur ou d'un théâtre peut-être un peu plus recherché, intellectuellement ou artistiquement, il y a pour le comédien une sorte d'éthique à avoir. Et on peut faire rire, par exemple, ou on peut faire pleurer au théâtre, mais pas avec n'importe quoi. Il y avait un exemple comme ça. Un comédien que j'ai très bien connu et avec qui j'ai tourné souvent, c'était Michel Galabru. On se retrouvait des fois dans des films très... je dirais pas médiocres, mais disons pas haut de gamme. Voilà. Et je me suis aperçu qu'en voyant ces films, que le moment où lui, il arrivait à l'écran, le film devenait bon. Il se passait quelque chose. Parce qu'en tant qu'acteur, il communiquait en plus de son savoir-faire, de son... un humanisme. Et je crois que c'est très important chez les bons, et c'est ce que font peut-être les bons comédiens, c'est de savoir transmettre au travers peut-être de la farce qu'ils sont en train d'interpréter un humanisme. Moi j'ai comme première pièce Monsieur Vautrin. Ah, Vautrin. Vautrin. Ah, Vautrin, oui, j'avais fait ça après avoir fait le TNP, du reste, oui. Alors, Vautrin, c'était monté par Charpak. C'était une pièce sur... tiré de Balzac, hein, le personnage de Balzac. Et... ah oui, là-dedans, je faisais un Polonais. Un gangster qui se faisait passer pour un Polonais. Mais, c'était pas mal, ça va tiré comme ça de Balzac. On a fait un bide redoutable parce que bon, il y a les Balzaciens ont trouvé que c'était pas du tout du Balzac, enfin bref, mais c'était une belle aventure, on s'est bien amusé. On arrive en 1969, vous avez cofondé le Café de la Gare. On a commencé en 68 du reste, parce que on était à l'époque, on faisait du cabaret, je faisais du musical aussi, et alors, j'avais un numéro de cabaret avec un copain, puis après j'en ai eu un tout seul. Et puis il y avait Romain Bouteille que j'avais connu, on s'était connu au TNP avec Romain Bouteille, et puis on avait été élèves ensemble à l'école du Lin. Et un jour, Romain, avec un jeune qui était là, qui présentait le spectacle, et faisait des salades pour les clients quand ils en avaient envie, et il s'appelait Coluche. Et on dit, si tu veux qu'on voit ça... ça t'intéresserait de faire un théâtre, on fera un théâtre à nous. J'ai dit oui, me disant, mais c'est un rêve complet, où est-ce qu'on va? Si on n'a pas de rond, on va se démerder. Et puis on a fait notre premier théâtre, qui était au passage de Dessin, à Montparnasse. Et puis, après, on a déménagé, on s'est installé rue du Temple, voilà. Alors là, c'était un théâtre libre, c'est-à-dire qu'on écrivait... on composait, on montait nos propres spectacles,
Et donc, c'était la liberté totale. Alors, c'était très enrichissant pour moi parce que ça me permettait d'essayer des tas de choses, de voir toutes les possibilités qu'un comédien peut avoir. Et puis, un théâtre où on va tous les soirs et on joue tous les soirs, ça forme, ça fabrique. Puis vous aviez quand même de bons camarades, Miu Miu, Patrick Devers, on était tous très copains, on est restés tous très très copains, à part ceux qui sont morts, bon, mais on est restés tous très copains. Miu Miu, je la vois plus depuis des siècles, parce que bon, elle a organisé sa vie autrement, mais des fois je retourne au café, je vois Sota, bon, Philippe Hannès, les seuls qui restent, parce que beaucoup d'autres sont partis, sont morts. Ouais, Patrick hein. Devers. Patrick, Jean-Michel As, qui lui est maintenant vit à la campagne, je ne sais pas où. Puis il y avait des gens qui sont partis, qui sont passés, puis qui ont disparu. Je pense à des Marie-Christine Desquard, des trucs comme ça, qui bon, sont partis faire leur vie ailleurs. Et là, on arrive à la période du cinéma. Oui. Et en 1971, vous avez joué dans L'amour c'est gai, l'amour c'est triste. Oui. Ah oui, alors ça c'était des petits trucs. C'est des petits films, les films comme ça, on tournait 3-4 jours. Hein, L'amour c'est gai, l'amour c'est triste, oui, il y a eu ça. Et qu'est-ce qu'il y a ? Il y a eu L'Astragale aussi que j'ai fait, c'est un film qui s'appelle, je ne sais plus de qui c'est, c'était tiré d'un roman. Les Mariés de l'an 2 ? Les Mariés de l'an 2 avec Belmondo. Ça a été une expérience. Mais alors, Les Mariés de l'an 2, j'ai eu une journée de tournage. Pas énorme. Alors, en 1972, vous tournez avec Georges Lautner. Alors oui. Quel rapport vous aviez avec... Georges, c'était en... J'avais tourné une publicité avec lui, d'abord. Et puis à la fin de la publicité, il m'a dit, si tu veux, dans mon prochain long métrage, j'ai une quinzaine de jours de tournage pour toi, si tu veux, je te les donne. Il me dit, je me souviens toujours de la phrase qu'il m'a dit, c'est pas Bénure, mais ça se verra. Et donc, c'était une fois un flic, je crois, ça s'appelait. Et donc, ça a été non seulement la première fois où au cinéma j'avais quelque chose d'important à faire, mais c'est aussi la naissance d'une amitié, parce que j'ai eu une grande, grande amitié avec Georges Lautner, qui est né de ça, et j'ai fait 5 ou 6 films après avec lui. Films, oui. Et donc ça a été une... Oui, pour moi, ça a été vraiment la découverte d'un ami. Et aussi, une découverte aussi d'un savoir-faire au cinéma. Comment il fallait se comporter au cinéma, comment il fallait jouer. Ça, parce que Georges Lautner, c'était quand même les Tontons Flingueurs. Oui, c'était ça. En plus... Avant de vous tourner avec lui, vous avez déjà vu ses films Ah oui, j'avais vu ses films. Mais même, je me souviens, la première fois que j'ai vu Les Tontons Flingueurs, je n'étais pas encore comédien à l'époque, et je me disais, ça c'est le genre de film que j'aimerais faire. Les films de Lautner, c'était des vacances. Je ne disais pas, je vais faire un Lautner, je disais, je monte à bord d'un Lautner, parce que c'était toujours des voyages. Ah oui, là, on a fait... on s'était bien amusé. Et là, c'est l'occasion pour vous de retrouver Miu Miu. Oui. Ben, c'est un peu moi qui avais incité Lautner à prendre Miu Miu. Parce que, alors c'est très curieux parce que je me souviens toujours, elle faisait une entrée sur une place, puis elle disait 2-3 phrases à des comédiens. Et le lendemain, on allait voir Les Roches, ce qu'on avait tourné la veille. Et on la voit arriver comme ça, et Georges, j'étais à côté de Georges, il m'a dit, tu vois, cette fille va devenir une star. Et à l'œil. Alors Rabbi Jacob s'est venu après. Alors là, ça c'était le gros truc parce que c'est le film qui m'a le plus étonné parce que c'est le film auquel je m'attendais pas, d'une part. C'est le film, quand j'ai été voir Gérard Houry, je me disais, bon, ça doit être pour 2-3 jours, qu'il me demande. La première chose qu'il m'a demandé en rentrant, il m'a dit, excusez-moi de vous poser cette question, mais est-ce que vous êtes juif? Et je lui avais répondu, non, mais ça peut s'arranger très vite si le rôle est conséquent. Mais c'était une boutade. Ça a légèrement fait sourire. Il m'avait dit, non, parce qu'il faut parler hébreu pendant un moment. Mais... je vous mettrai dans les mains du rabbin José Eisenberg, il saura ce qui a été fait. Du reste, c'est le rabbin qui m'a appris à prononcer et à dire les quelques phrases que j'avais à dire en hébreu. Après ça, il m'a appelé, c'est moi, on m'a donné le coin, en voyant le scénario, je me suis aperçu que j'ai dit, mais c'est énorme, comme Roux, c'est un grand rôle. J'étais déjà très étonné. Et en plus, et troisième étonnement, je ne savais pas que ce film, on en parlerait tant. Parce que De Funès, qui est un acteur extraordinaire,
Alors justement, en parlant... C'est un homme adorable, dans la vie, c'est un homme charmant, adorable. Et quand on jouait avec lui, il renvoyait bien la balle. Il y avait... Si on jouait avec lui complètement, si on rentre dans le truc, il renvoie les balles. Parce qu'il aime bien avoir un partenaire. Oui, justement, De Funès, en parlant de lui, comment il se comporte sur un plateau C'est un comédien, comme les comédiens de théâtre, il aime bien répéter. C'est pour ça qu'on faisait beaucoup de prises. Alors, parce qu'il arrive comme ça à se perfectionner, il arrive à un perfectionnement. Bon, au début, je croyais que c'était moi qui était mauvais. Il m'avait dit, rassurez-vous, non, c'est pour moi. Et donc, le fait de répéter, moi, c'est déjà, ça me mettait à l'aise, parce que plus on répète, plus je suis à l'aise. On raconte qu'il avait, il avait un aperçu sur le montage, et c'est lui qui s'occupait de... Non, ça, c'est du baratin. C'est du baratin. Il me disait, entre chaque prise, mais c'est bien ce que vous faites, mais ça sera coupé, je fais tout couper. C'est une blague, parce qu'il savait qu'on disait ça de lui. Alors là, on est en 1975, vous retrouvez encore Lautner pour un autre film, ça oui. Fait pas de problème. Pas de problème, oui. Et c'est pareil, vous retrouvez Mio. Ah oui, oui, bah oui. Mais avec Mio, j'étais souvent l'homme qu'elle était en train de quitter. Et il y avait Bernard Ménez aussi. Bernard Ménez. C'est la première fois que je travaillais avec lui. Après, j'ai beaucoup travaillé avec le théâtre. Et oui, là, il y avait Bernard. Là. Et puis Le Fèvre. C'était un film. C'est pareil, ça vous a laissé un bon souvenir. On s'est amusé comme des fous. Il y avait une voiture fabuleuse. On va parler de la Septième Compagnie. Ah. Comment est venue l'idée de vous faire reprendre Je ne sais pas, à l'époque, je tournais beaucoup à la Gaumont. Et un jour, le producteur m'a dit tu vas remplacer Aldo Machen dans une Septième Compagnie. Et je me suis dit, ça me paraissait bizarre, parce qu'il y avait deux choses qui m'inquiétaient. C'est que les seconds, les heureux, ça ne marche pas, c'était rarement des succès. J'avais rien de commun avec Aldo Machen, je ne me vois pas prendre l'accent italien pour doubler, parce que je ne vais pas le faire. Et puis, alors, il y a un point positif, c'était Robert Lamoureux, parce que c'est un homme dont j'appréciais beaucoup le talent, je savais qu'il écrivait très bien. Bon, puis il avait fait des bons films aussi, tout ça, donc ça c'était positif, mais le reste me faisait un peu peur. Et quand j'avais exprimé mes peurs, ils m'ont dit non, ça va aller, t'inquiète pas. Ah bon, très bien. Alors voilà, je suis rentré là-dedans et j'ai été engagé pour la Septième Compagnie. Alors, je n'ai pas regretté parce que je me suis beaucoup amusé. D'abord, j'ai fait des trucs que je rêvais faire. Conduire une locomotive, c'est un rêve d'enfant, ça, voilà. Alors, des machins comme ça. Et puis, la Septième Compagnie, je dois dire que c'est la seule guerre que j'ai aimé faire. Parce que alors, on jouait à la guerre, on ne la faisait pas. Donc, c'est beaucoup plus agréable. La première scène que j'ai tournée, je devais me dire pas capitaine, commandant. Et Robert Lamoureux m'a fait faire 35 prises. Et là, je ne savais plus où j'étais. Là, très bien, plus ou moins, je dis à Mondi, mais je dis, quoi, il me cherche ou quoi? Il me dit, oui, il te cherche. Alors, j'ai été voir Lamoureux, j'ai dit, écoute, je comprends très bien que je comprends le comédien qui te plaise, ne t'inquiète pas, tu changes tout de suite de comédien, on déchire le contrat, je ferai de soucis à personne, mais je n'aurai pas qu'on traite comme ça. Puis, si on fait 35 fois à chaque fois les prises, je vais te faire perdre du temps, puis je vais m'énerver. Bon. Il m'a dit, non, mon coco, ça ira très bien. Ah bon? Et j'ai compris pourquoi il faisait ça, en fin de compte. Parce que Lamoureux, c'était un comédien qui écrivait. Et en écrivant, il jouait. Il jouait ce qu'il écrivait. Et brusquement, il tombe sur moi. Moi, il ne me connaissait pas comme comédien. Les autres, ils les connaissaient, ils savaient comment ils jouaient. Ça ne le surprenait pas. Moi, je le surprenais. Il disait, ça doit être faux. Et après, il s'est habitué à moi, ça s'est très bien passé, quoi. Alors bon, alors, d'autres anecdotes. Oui, il nous foutait tout le temps dans l'eau. Il adorait la flotte. Qu'est-ce que l'on a pris comme bain? Et alors, on tournait dans la région, hein, dans les rivières au mois d'avril, elles sont froides. Alors, voilà, on s'est tourné dans un moulin, pris dans la roue d'un moulin, mais bon, ça, oui, c'était froid, ça. Un jour, comme ça, on arrive, je vois des figurants qui s'habillaient en soldats allemands. Et je voyais un type qui s'habillait en officier allemand, et je le regardais s'habiller, je me disais, c'est curieux. Il ressemble, c'est pas français qui s'habille en allemand. Alors je vais le voir, et puis quand même on s'entame la conversation avec lui, et il me dit, oh, vous avez l'uniforme.
En 45, quand je l'ai guidé, j'ai dit plus jamais ça, plus jamais. Et depuis, je n'arrête pas. Et le pire, c'est que je monte en grade. Alors le fait, sa particularité à Jean, c'est que Jean, s'il y a un casino dans les 100 km autour du tournage, il y va le soir. Alors il pensait c'est nuit au casin, ce qui fait que des fois le matin, quand prêt à tourner à 9h, les casinos ferment à 4h du matin, il n'était pas frais quand il arrivait. Ça, alors il arrivait en retard, il arrivait à 10h, 11h, ça foutait Robert Lamoureux dans les colères. C'est pareil, Mondi, c'est un très bon comédien, on s'amusait bien avec lui. Alors il y a des... Et en plus de ça, le film, bon, j'avais lu le scénar, tu vois, j'ai dit, ouais, ça n'a pas l'air d'être mal, mais... Il y a des... Bon, je sais, ouais, c'est... il n'y avait rien qui m'étonnait à la lecture. Et quand on a commencé à tourner la scène des matelas, quand il s'évade, là, je me suis dit, ça va être très drôle. Comment on explique 40 ans après que même quand il repasse à la télé, là, récemment, il a fait 5 millions de téléspectateurs, ouais, ce qui est déjà énorme. Oui, je sais, mais ça, c'est... Mais vous savez, quand je fais mon marché, il y a des gens qui me parlent de Salomon et de la 7e compagnie. Robert Lamoureux vous propose une suite. Oui. Vous avez signé tout de suite dès qu'on vous a proposé. Oui, parce que là, oui, oui, d'une part parce que bon, c'était un peu normal. Si on faisait une suite, on la faisait. N'importe comment, je savais qu'on n'en ferait pas 10. Non, Robert Lamoureux uniquement réalisateur, mais n'empêche que même le fil conducteur du film est quand même assez drôle parce qu'il y a des scènes des fois. Il savait bien manier ça, Lamoureux. Hein. C'est un bon fabricant de situations et de trucs cocasses comme ça. Bon, c'est... Puis le principe de ces trois bidasses, faut leur faire changer de costume, les remettre à l'eau, ils nous ont foutu à l'eau. Et en plus, ça a permis aussi à des jeunes comédiens de faire leur premier pas. Gérard Jugnot. Bah oui, Gérard Jugnot, ça a été ses débuts, ça aussi, la 7e compagnie. C'est pareil. C'était dans le troisième qu'il arrive et Lamoureux comprenait pas ce que je disais, mais qu'est-ce qu'on manque ? Parce que là, encore le même problème qu'il avait avec moi, il comprenait pas sa façon de jouer. Parce que j'ai une petite voix comme ça. Voilà, mais qu'est-ce que c'est une catastrophe. Je lui avais dit, tu vas voir, il va être très bien. Alors quand il a vu les roches, il fait, c'est vrai, il est très très bien, mais je lui ai dit, téléphone-lui parce qu'il a pas le mort. Là, vous aviez eu votre premier rôle, mais juste après, quelques années après, c'est Christian Jugnot qui va vous proposer un vrai premier rôle. Là, c'est vrai, là, c'était un vrai premier rôle. C'est le pion. Le pion. Ouais, ouais. Le pion qu'on a fait tout de suite après la dernière 7e compagnie. Et oui, alors là, c'était... Déjà, c'était une plus grosse responsabilité pour vous, parce que là, vous tenez vraiment la vedette. Oui, pour moi, c'était pas compliqué à jouer. C'était pas un truc... qui me posait de grands problèmes de comédien. Puis bon, c'est un film qui a bien marché, les producteurs n'ont pas perdu d'argent avec. C'est la sortie à Paris qui a été difficile, parce qu'on est sorti en même temps qu'une énorme cavalerie américaine, un gros truc, où toute la presse était branchée là-dessus, donc nous on est petits un peu... Mais en province, on marchait tout de suite très bien. Puis après, le film a fait une carrière, et des passages télé, tout ça qui font que ça a fait... Le film a été bien reçu, bien... Et ça ne m'a pas rapporté d'autres films. Et en plus, vous avez eu quand même des complices, des bons complices. Ah oui, Michel Galabru, encore Galabru. Vous aviez des points communs avec Michel Galabru. C'est-à-dire que, oui, dans le jeu, c'est un exubérant comme moi. On n'est pas des calmes. Alors donc, c'est à ça qu'on peut avoir dire des points communs. Maintenant, on avait aussi un point commun, on était très copains, surtout ensemble. C'était toujours très agréable de travailler ensemble avec lui. Je me souviens d'un jour où j'arrive au maquillage, et il me voit arriver, et il me fait « Ah, toi aussi, t'es dans cette cagade !» J'enchaînais pas mal de films à l'époque. J'enchaînais comme ça, les films, ça venait, alors je disais oui. Il y a plusieurs, on ne va pas tous les citer, il y a plusieurs films où vous avez participé, et j'en ai un, moi, une préférence personnellement. Vous avez fait par exemple Les Charlots en délire. Ah oui. Et là, vous étiez vraiment polyvalent parce que rien que dans le film, on vous voit trois rôles différents. Vous aviez une complicité avec, à l'époque, quand vous aviez rencontré les Charlots. Oui, on était copains, c'est-à-dire qu'on se connaissait de. Et bon, on était la même génération.
de comédiens. Alors, eux, les Charlots, ils étaient sur un truc qui marchait à fond, ils y allaient là. En plus de ça, il y avait un très bon numéro de musical, hein, les Charlots, c'était bien. Donc, ils étaient restés, on était restés identiques ensemble, on n'avait pas de... La notoriété ne jouait pas. Et alors, à Rinaldi, j'ai joué la pièce qu'il avait écrite avec une comédienne. Là. Il était mort déjà, c'est lui qui avait créé le rôle, et j'ai repris son rôle. C'était le dernier hommage que je pouvais faire à un copain. Respirez fort avant de boire parce que ça titre à 65 degrés cette limonade. Santé. Oh ah ouais, bah ça décape hein, si vous avez pas le dé. C'était pas mal, c'était très original sa pièce. En fait, c'est l'histoire d'un homme politique qui va se retrouver à un dîner chez des gens qui l'invitent. C'était, le thème était assez amusant quoi. Et des gens qui étaient un petit peu... Un peu déjantés, quoi. Un peu déjantés, oui. Et alors, cet homme un petit peu énarque qui rentrait là-dedans, ça faisait des étincelles. À la fin des années 70, vous tournez jusqu'à 5 films par an. Ouais. Ça n'a pas un peu gêné votre famille, justement, d'être moins disponible? Bah, c'est le problème de tous les comédiens qui tournent. Au bout d'un moment, on est moins dans sa famille. Ça, c'est... Il y a un moment... Mais vous savez, même au théâtre, pendant des années et des années, on n'a jamais fêté Noël à la maison, enfin, le soir de Noël, parce qu'on le souhaitait un autre jour, parce que je travaillais. Je crois pas qu'ils m'en ont voulu beaucoup. Au milieu des années 80, vous tournez plus vers le théâtre. Oui. Et là, il y a une pièce qui va assez bien marcher. C'est Pyjama pour 6. Oui, Pyjama pour 6, j'en ai joué 5 ans. Et puis, c'était pas mal. Au théâtre Michel, avec Camelletti, puis sa femme, c'était très agréable de bosser. Bon, les équipes étaient sympas, j'avais pas de problème. Donc, bon, puis j'étais un peu plus chez moi, je partais pas. Donc voilà, c'était. Là, et puis, au moins, c'était un travail régulier. Je gagnais bien ma vie, j'étais bien payé. Donc. Bon, le cinéma, j'ai dit, bon, on va laisser tomber pour l'instant. Mais bon, j'avais fait ce que j'avais à faire au cinéma. Donc, vous avez joué de nombreuses pièces. Et moi, il y a une pièce, personnellement, que j'aime beaucoup. C'est Une cloche en or. Ah oui, avec Sim. Une pièce de Sim, oui. C'est un bon souvenir aussi pour vous. Oui, bah, très bien. Oui. Ben, alors, Sim, je connaissais Sim depuis l'époque où je faisais du musical, du cabaret. Lui était déjà une vedette. Mais j'avais connu la... Et alors, travailler avec lui, ça m'amusait beaucoup, c'était très sympa. Vous aviez une bonne complicité avec lui? Oui, très très bien. Bah, aussi, bah, c'était pareil, ça fait partie de ces gens. Ils vivent avec l'humour. Oui, puis bon, mais c'était un bon comédien, il était du bâtiment. C'était agréable de travailler avec lui, je m'ennuyais pas. Non, ouais. Et puis c'était une pièce qui marchait, hein, ça marchait bien. On a joué au théâtre presque une saison. Puis après, on a fait une très belle tournée. Donc, plus tard, vous allez écrire vos premières pièces. Oui. La première, c'est Monnaie de singe. Ah, non, il y en a une autre avant. Non, ça a commencé, mais j'ai commencé par réécrire la pièce de quelqu'un. Et donc, quand j'avais réécrit, il m'avait proposé une pièce à jouer. Je ne peux pas en jouer ça, c'était très mauvais. Et puis, bon, il avait insisté, tout ça. Bon, j'ai fini par accepter. Et puis en apprenant le rôle, je peux pas dire ça, je réécrivais mes propres répliques. Après, un jour je l'ai vu, je lui ai dit, écoute, on peut pas changer ça. Il me dit, oui, il était d'accord pour tout. Ce qui fait que j'ai réécrit presque la moitié de la pièce. Et en la jouant, je me suis aperçu que ce que j'avais écrit, ça marchait bien. Et là, l'idée m'est dit, mais je vais peut-être... Et la première pièce vraiment, vraiment que j'ai écrite, ça s'appelait Le Voyageur de l'an 2000. Et là, je travaillais avec un tourneur avec qui je tourne encore maintenant, donc je travaille, il s'appelait Serge Pénard. Et j'ai écrit là pendant presque 5-6 ans, j'ai écrit des pièces pour lui. J'ai dû écrire 5 ou 6 pièces. Et là, la dernière que j'ai écrite, que je joue en ce moment, c'est encore lui avec lui que je la tourne. Alors justement, c'est d'actualité cette pièce. Un mariage pour tous, oui. Mariage pour tous, c'est pareil, c'est vraiment un travail d'écrire une pièce et surtout de la mettre en scène, puisque vous êtes metteur en scène. Oui, mais ça, la mise en scène au théâtre, c'est pas très compliqué. Et comme les rôles de vieux sont quand même pas aussi importants et aussi riches que les rôles de mûrs, donc je me disais, peut-être en écrivant sur mon âge, je vais peut-être trouver des choses amusantes. Et c'est vrai que, bon, maintenant,
la vie s'est allongée. C'est-à-dire que les vieux, maintenant, ils sont encore actifs pendant beaucoup d'années, quoi. Justement, pour Mariage pour tous, c'est l'histoire de deux recoupes. C'est deux types de 70 ans qui décident de se marier. De se marier, et ils ne font pas un mariage d'amour. Ils sont aperçus que deux petites retraites mises dans la même assiette, ça leur permettre de vivre un peu plus aisément. Plus de ça, ils paieront moins d'impôts en tant que mariés. Et ils ont besoin que d'une voiture, un seul appartement. Ils ont pris un appartement en location. Et ils sont mariés sous le régime de la communauté au bénéfice du dernier vivant. C'est-à-dire que le veuf touchera la reversion de la retraite du défunt. Enfin, ils se sont montés, qui est tout à fait logique, quoi. Et alors, ils ont décidé de... Mais leurs enfants se demandent s'ils ne sont pas venus... s'ils ne sont pas devenus homosexuels. Et... Alors qu'on s'aperçoit qu'ils ont une maîtresse aussi, et qu'ils continuent à avoir une petite copine. Donc, c'est toute l'histoire. Donc, c'est un beau sujet où je peux pouvoir montrer les vieux ce que ça peut faire, quoi, comment ça peut vivre encore. La pièce démarre bien, parce qu'il y a des bonnes critiques. La pièce joue bien. On a joué là pendant plus de presque 3 mois au théâtre d'Onou. Là, on a arrêté parce que c'est les vacances, ils ferment. Et puis, mais à partir d'octobre, on part en tournée avec. Là, on va se balader en France avec. Alors là, on va passer le doublage. Parce que le doublage a pris une part importante dans votre vie. Oui, enfin, je ne suis pas un grand doubleur, mais enfin, j'en ai fait quelques-uns. Et c'est pareil, j'ai fait, entre autres, Toy Story, qui a très bien marché. Alors là, je suis devenu un des personnages de légende de Toy Story. C'est plus spécialement dans les films d'animation. Oui, beaucoup. Doublé, mais exemple Toy Story, oui, où vous doublez Rex, qui est un dinosaure assez qui ressemble justement un peu à vos personnages. Il est drôle, il est grand enfant, il est ouais, tout à fait. Et justement Rex, il dirait quoi d'un grand monsieur comme vous? J'aime bien la voix qu'il m'a donnée. C'est vrai que cette voix fait rire même les enfants, ils s'éclatent, c'est un bonheur. Et puis en plus, pour vous, le doublage, c'est un peu justement retombé en l'enfance. Oui, Pierre, sur les doublages de films d'animation, comme ça, on a beaucoup plus de liberté. On peut se laisser aller plus facilement. Oui, il y a ça, j'ai fait aussi Chicken Run, aussi les poulets là, qui veulent s'évader. C'est à peu près, pour moi, c'est à peu près le même principe que pour jouer un rôle. Du reste, j'ai dit toujours, je n'ai pas un personnage. Un comédien ne rentre pas dans la peau d'un personnage. Il prend un personnage, il le rentre dans sa peau. Et là, on va lui donner sa sensibilité, son humour, sa fragilité, sa cruauté aussi, peut-être. C'est soi qu'on va donner. Et quand on double, c'est pareil. On voit un dinosaure, et ben on devient dinosaure. C'est vrai que la voix, on vous reconnaît. Voilà, bon. Et c'est vrai que les... Bon, comme ça, mais... On pourrait dire, par exemple, que Rex, c'est une partie de vous. Oh... Ça, c'est que j'ai du mal à dire ce qui est une partie de moi ou l'est pas. Parce que... Il y a une partie de ma fabrication. Parce que, bon, en tant que comédien, j'observe énormément de choses. J'observe les gens, la façon dont ils vivent, la façon dont ils... leur tic, leur manie. Alors tout ça, j'épouse un peu tout ça. Je m'amuse à être ces choses-là. Donc au bout d'un moment, je les ai acquis. C'est un peu comme des peintures qu'on a sur une palette. Et au bout d'un moment, je me sers de la palette pour recomposer le personnage. D'ailleurs, le film, vous avez doublé récemment Toy Story 4, et le film, il démarre très bien, puisque il est quand même, il était premier il y a une semaine, là il est deuxième, mais il a déjà dépassé plus de 2 millions de... Oui. C'est même pas... Le fric que gagne Walt Disney. Et récemment, vous avez vu dans un film qui s'appelait Les Vieux Fourneaux. Ah oui. Et c'est pareil, c'est un peu... une bonne comédie à la française comme on les aime, et quand vous a proposé le rôle, vous avez ça m'a amusé, oui. Ça vous a amusé. Oui, quand il m'a proposé,
j'avais été le voir, m'avait donné le scénario, puis on a fait une lecture et j'ai tout de suite trouvé le ton d'esprit qui me dit oui, c'est ça exactement. Ouais, ça m'amuse, ce type un peu débile qui pédale. Qui perd un peu la tête, mais pas. Qui perd la tête, ouais. Mais qui a été un homme très cruel et qui devient complètement gaga. Et surtout l'opportunité de connaître Eddie Mitchell parce que je ne le connaissais pas. J'aimais beaucoup ce qu'il faisait. Il fait partie des gens que j'aimais bien dans la chanson et j'avais de le connaître. Un peu, il donne toujours l'impression d'être un type bourru, comme ça, il est adorable, hein, mais toujours à côté de. Je crois qu'il va exploser le monde, mais il est adorable. On va parler de votre fils, Christophe Guibé. Est-ce qu'on peut dire qu'il a hérité de votre talent ? Des fois, je me demande si c'est pas le contraire, si c'est pas moi qui ai hérité de lui. Parce qu'il est. Il est très bien, il a une particularité, il est très personnel dans son jeu. Et il a. Au départ, j'ai pas imposé quoi que ce soit. Je lui ai dit va voir, va travailler ailleurs, va apprendre le métier chez d'autres qu'avec moi, de façon à ne pas avoir d'influence. Puis il y a un moment, c'est le moment où il faut couper le cordon et qu'il se trouve lui-même. Et un comédien n'est bon qu'en se trouvant lui-même. Donc si on travaille trop sous la coupe de quelqu'un, entre autres son père, c'est ce qu'il ne voulait pas être. Il ne voulait pas être. Il ne voulait pas me ressembler, plus de ça. Et j'avais dit, c'est pas grave, même si tu me ressembles, mais le métier aura un Guibé jeune et un Guibé vieux, ça sera riche. Mais il a bien fait et il a été travaillé. Bon. J'avais dit, si un jour tu sais un truc que tu ne sais pas faire, tu viens me voir, moi je t'expliquerai. Mais ce qui est arrivé, des fois, il me demandait des conseils, mais il ne m'a pas demandé d'être son maître. Ce qui est très très bien, ce que je préférais, moi. Et maintenant, il a une indépendance de jeu totale, il est vraiment lui-même. Alors, vous avez réussi, malgré les difficultés de la vie, que peut-on vous souhaiter aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter ? Je n'ai pas de. Comment dirais-je. Ma carrière, avec un grand A, enfin un grand C plutôt, ma carrière, je m'en fous un petit peu. Ce qui m'intéresse, c'est l'instant présent. Je joue ça, je fais ça. Voilà. On dit moteur, je suis là. On dit coupé, bon, c'est terminé. En scène, le rideau se lève, j'arrive, j'existe. Le rideau se baisse, bonsoir, au revoir, monsieur là. C'est ça, ma vie. Ma vie, c'est pas autre chose. Je n'ai jamais eu de plan de carrière, l'idée de faire ceci ou de faire cela. Je prends les choses comme elles viennent. Bon, elles sont venues d'une façon qui ne m'a pas déplu. Voilà. Je n'ai jamais eu de rêve de vedette. Jamais rêvé d'être une grande vedette. Je voulais être comédien. Je dis toujours en rigolant, mais que peut-être le seul grand rôle que j'aurais aimé faire, c'est un rôle très très bien payé. Mais c'est tout, quoi. Je pense que vous êtes un acteur qui. Vous n'êtes pas du genre comédien à faire la une du Paris Match. Vous êtes quelqu'un d'assez réservé, assez. Oui, j'aime pas. Vous n'aimez pas trop vous mettre en valeur envers. Comme des grandes célébrités, vous êtes un peu plus discret, mais ça n'empêche pas que vous êtes aussi heureux, puisque bien sûr, oui, encore oui. Actuellement, vous jouez encore de la comédie, vous tournez encore un peu. Vous savez, faire les premières pages des journaux, ou être la superstar, ça a un gros inconvénient. C'est que on peut plus pousser son caddie au supermarché, tranquillement, pépère. On peut plus s'installer à la terrasse d'un café tranquille pour lire son journal parce que on peut plus faire ce genre-là. Moi, je peux toujours les faire. Il y a des gens qui me reconnaissent, ils me disent bonjour, ça va ? Oui, ouais, ça va, ok. Puis ça va pas plus loin. Des fois, il y a un type, un homme ou une femme qui a envie de me parler un peu plus longtemps, on se parle. Mais je ne suis pas médiatisé. Et je trouve ça très bien, parce que j'ai une vie à vivre. Oui, voilà. J'adore être acteur, j'adore faire ce métier, j'adore satisfaire le public, mais j'aime aussi profiter d'une journée pépère chez moi, hein. Garder mon jardin, écrire, voilà, ou aller me balader avec ma femme, tranquille. C'est. Oui, bah voilà.
ça m'est arrivé deux ou trois fois d'avoir ma tête comme ça en première page, mais en fait ça m'a rien, ça m'a donné aucune aucune jouissance, aucun orgasme. M'en fous. Et je m'en fous. Et par contre, un monsieur ou une dame qui me dit ah, je vous ai vu hier soir à télé, vous m'avez bien fait rire. Ça, oui, c'est mon Oscar à moi. Ça, c'est mon vrai César. En tout cas, je vous souhaite bon succès à votre pièce. Merci. Et puis, bon, au film aussi qui va sortir à la rentrée, le Dandon. Ouais, ouais. Bon, on va voir. Espérons aussi qu'il fonctionne. Et puis, en tout cas, merci à vous. J'en prie.